17. 1er janvier 2021, 4h30. Voilà, l'année a changé, mais pas les levées matinaux. Ma façon de voir les choses, l'avenir, ou ce que je suis. Je vais bien, la fatigue est toujours présente, mes douleurs aussi. J'ai décroché officiellement de la morphine. Ça y est, j'ai tenu la promesse que je m'étais faite. Il existe une multitude d'addictions en tout genre. Le plus dur pour se débarrasser d'une mauvaise habitude, c'est de vouloir s'en débarrasser. Souvent, trop souvent, la même raison qui fait que l'on a commencé par un confort, une fois rentré dans votre vie, devient une normalité ou une habitude, finissant par devenir envahissante, virant à de compulsives obsessions. Et là, ça devient incontrôlable. Ce serait trop facile pour moi de vous dire de ne pas commencer, de bien réfléchir. Mais je ne suis pas à votre place. Je ne prendrai pas de décision à votre place. Tout au long de mes jours de sevrage, dans les plus intenses, j'ai écrit ce que j'ai vécu. Il me reste encore beaucoup de jours à me reconstruire. D'autres épreuves à affronter. Je dois laisser mon corps complètement s'autoréguler et se guérir, comme un guerrier après la bataille. Et vous savez quoi? Le plus dur. Ce n'est pas de lutter contre un ennemi extérieur, mais bien de lutter contre un ennemi intérieur. Même si au début, il vient de l'extérieur, une fois entré en vous, c'est en vous-même que vous devez vous battre. Nous devons virer les doutes de nos vies si ceux-ci finissent en peur. Cet instinct primaire se nourrit comme on nourrit son estomac avec de la nourriture. Quand votre estomac est plein, logiquement, vous cessez de vous alimenter. Pour la peur, plus vous vous alimentez, plus vous risquez de tomber dans la folie. Il faut savoir la gérer car elle a une utilité quand il s'agit de survie ou de préservation de soi. Posez-vous les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Prenez du recul avant de prendre une décision. À chaque épreuve de votre vie, restez vous-même. Aimez-vous à votre juste valeur.